station fréquence. Bonsoir, très côté à vous tous de la part de Dindy 33. Alors, je fais un faux départ. Voilà, ça marche mieux comme ça. Mais bonsoir, 1351, les stations de la part de Dindy 33. Et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Donc, on est le vendredi 17 juin 2016. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Dindy, tu nous fais le coup de... tu nous fais le coup du bouton toutes les semaines? Ok, les bonnes 73, Ludovic, les bonnes 73, Daniel aussi que j'entends derrière. Oui, ok, c'est 14 ODR 64, ok, 14 ODR 064. Eh bien, il y a aussi Ludovic, Dolu 33. C'est ce coup-ci, j'ai réussi à le dire correctement. Hachi, retour, Dolu. Oui, pour une fois, c'est super. 73-51 à toi, 73 à toi aussi, la station de Saint-Médard, là, j'ai pas le prénom de l'opérateur, donc 14-DR-064. Donc, Dolu 33, 14-DR-860 pour ma part. Voilà, voilà. Et c'est une nouvelle personne dans le QSO, j'avais pas entendu encore, donc bienvenue. Voilà. Et retour à toi, la station de Saint-Médard. Oui, ok, 14 ODR. Ah oui, il va y avoir des problèmes sur l'avion. Non, c'est pas terrible, Daniel. Daniel, j'ai un peu plus de bruit puisque personne ne reprend. J'ai un peu plus de bruit là que tout à l'heure là en fréquence. Donc c'est par moment c'est un peu moins bon. Alors les stations en fréquence, Michel, Eric, Thierry, enfin bon bref, en avant les stations. Oui, ça va pas, c'est Galtier, 14, Victor et Corrèze 7, l'opérateur Eric, bonsoir. Salut Eric, comment vas-tu? Eh bien, ça va, je te remercie, voilà, et puis j'espère que tout le monde va bien aussi, voilà, en retour, toi Rémi. Ok, ben oui, toujours, toujours très occupé, la météo toujours médiocre, surtout ça, quoi. Ouais, t'as vu un peu ce temps de chien qu'on a en ce moment? Aïe, aïe. C'est pas formidable, voilà. Mais retour à... je sais pas qui c'est qui est là. Eh bien, tu as Ludo, Ludovic, hein, en avant Ludo. 73 à toi, Eric. Écoute, ça fait plaisir de t'entendre ce week-end. Voilà, voilà. La météo, effectivement, elle est bien pourrie. ceux qui voulaient éviter les bouchons aujourd'hui avec la moto, ben, je pense qu'ils ont été bien charriés par la flotte. Donc, voilà. Et non, j'étais en repos.
ça n'empêche pas de faire des bons contacts QSO. Voilà, retour à toi, Eric. Ok, Eric, pas de problème. Mais écoute, j'espère que tu vas bien toi aussi. Et puis que tu as pu faire de bons contacts. Voilà, voilà. Allez, je retourne le micro à Rémi. À toi, Rémi. J'ai pas tourné. Et non, Ludovic, pas de chance. Là, c'est hier, aujourd'hui, je suis en repos. Par contre, eh bien, tiens, ça va être justement, c'est l'occasion. Là, je viens de passer là 2 jours en repos. Donc, ce week-end, eh bien, c'est boulot. Donc, demain soir, je pourrai pas être sur le QSO national du 15-27. Donc, eh bien, il manquera quelqu'un à l'appel. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a déjà pas mal de monde sur le QSO. Il y aura de quoi le tenir. Retour Eric. Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière. Oui, en avant la station. Ouais, j'ai entendu quelqu'un là qui est arrivé là très petit de mon côté en avant. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être un petit coup de propague, c'est possible, car je suis pas sûr que c'était très français. Retour Eric. Ok, je sais pas, j'ai entendu Barcelone ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien, moi aussi j'ai entendu ça, donc ok, on est un petit coup de propague. Michel, est-ce que tu es parmi nous ce soir? Ok Daniel, bon tu auras l'occasion là de t'entendre là dans la vidéo. Tu verras, bon c'est pas le signal n'est pas violent, mais je t'entends mieux qu'avant quand même. Ok Daniel, attends j'écoute en même temps le QSO là en parallèle sur le web SDR. Daniel, si tu es en même temps sur internet, tu as un web SDR qui est sur le département 30. Les liens sont déjà diffusés un peu partout. Et de leur côté aussi le QSO est pas mal actif là sur le canal 27. Donc ok Daniel, les bonnes soirées 13-51 à toi, merci de ton petit passage et à bientôt sur les ondes. Bon ok d'accord, retour Ludovic. Ouais, moi c'est bon, je copie tout le monde, il est nickel, on va y aller forcément. Ok, pour ça, il n'y a pas de souci. Bah écoute, hein, bon, bah pour l'instant, attends, moi je suis pas. Là, je suis à fond, hein. Attends, j'ai baissé un peu la puissance. Là, je l'ai baissé, mais attends, j'ai remonté un peu. Voilà. Je vais pas être toujours à fond, parce que le poste, j'ai pas envie que. Bon, il chauffera pas, mais il n'y a pas de rosse. Mais enfin, j'ai pas envie que non plus, si je peux limiter la puissance, c'est toujours ça, hein, en retour. Voilà, mais la sensibilité du dispositif est quand même pas terrible, hein, donc c'est pas encore génial. C'est bon, on arrive à entendre les taxis, l'aviation civile, voilà, bon, on a quelques trucs un petit peu rigolos. Je sais pas si vous avez peut-être l'expérience de ce genre de choses, moi je suis tout nouveau, donc je découvre tout ça, mais voilà, donc je m'amuse bien. Je sais pas, je passe le micro à Eric. Ok, y a pas de soucis. Ben oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu peux écouter les barres d'avion et tout ça. C'est l'aéroport, tu vas capter l'aéroport de Mérignac, aussi bien les pistes que les directement la tour de contrôle et tout ça. Et puis tu peux le suivre en même temps. Je sais qu'il y a un logiciel qui te permet de suivre les avions en temps réel aussi. Avec les indicatifs, tu peux arriver à savoir qui c'est qui communique avec la tour et tout ça. C'est vraiment sympa, quoi. Ouais, ouais, mais effectivement, j'ai vu quelques vidéos sur le net avec des gars qui se mettent écarteler un logiciel. Ouais. Il y a des petits paquets de données qui sont envoyés régulièrement par les avions, qui donnent leurs coordonnées, voilà, quelques infos. Je crois qu'il y a le numéro de vol et il y a des logiciels.
d'interpréter ça, hein, voilà. Mais après, il n'y a pas que ça. Autour de chez moi, là, j'ai plein de trucs qui émettent dans tous les sens. Il y a pas mal de signaux qui ont l'air d'émettre des infos en numérique. Par exemple, pas très loin du 27, hein, d'ailleurs, autour de 26 MHz, et puis même sur les sur 2745 par exemple, entre le 15 et le 16, hein, je sais plus sur quelle fréquence c'est pareil, je crois que c'est sur le 19 puis 10 kilos, donc quelque part entre le 19 et le 20, pareil, des signaux comme ça, j'ai réussi à capter, qui ont l'air des signaux numériques. Donc c'est rigolo d'après d'essayer de développer un petit logiciel pour décoder, voir ce que ça raconte. Là, ça se trouve, c'est juste des panneaux d'affichage, des trucs comme ça. Mais rien que sur la bande là, de 25 à 30, il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Donc effectivement, après, quand on va plus loin, c'est rigolo, l'aviation. J'ai repéré la tour de contrôle. Puis bon, bah après on voit effectivement des petites conversations entre je sais pas si c'est la tour de entre la tour de contrôle et les avions, mais il y a des trucs un peu plus ponctuels, hein, voilà. Alors, du coup c'est rigolo parce que bon, on a la tour de contrôle qui prend des nouvelles un peu de tous les vols qui sont dans le coin, et voilà. Donc bon, c'est amusant. Après je suppose qu'on n'a pas le droit de retranscrire ce qui se dit, etc., pour des raisons de confidentialité, mais bon, après ça va peut-être c'est une bonne question, est-ce qu'on a le droit d'écouter tout ça, hein? Je sais pas si vous avez une réponse à ça. Je repasse le micro à Rémi, tiens. Ouais, l'écoute, tu peux la faire, à condition de surtout pas divulguer quoi que ce soit de ce que tu entends. Hein. On n'est pas sur des bandes libres ou bandes radioamateurs, hein, c'est complètement différent, là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein, mais bon, ça paraît logique, hein, complètement. Hein, c'est pour ça, de toute façon, je me garderais bien de faire ce genre de bêtises. Surtout tout ce qui est taxi, il y a des gens qui donnent des numéros de téléphone, on entend tout un tas de trucs, tout un tas d'infos, il y a vraiment de quoi faire n'importe quoi avec, hein, ça c'est clair. Donc bon, voilà, voilà. C'est intéressant de voir un peu tout le spectre qu'il y a autour de soi, hein, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a avec une simple CB. Ce qui est dommage, c'est que le petit dispositif là ne soit pas très très sensible. Et bon, pour le 27 MHz, je vais coller un petit préampli que j'avais, la préampli de CB, donc ça aide pas mal. Mais bon, après, c'est assez difficile, des conditions, vu que, étant pas très loin de l'antenne de Bouillac, le dispositif se fait pas mal saturer par des signaux assez forts. Du coup, il y a des stations images que j'entends, des signaux images. C'est-à-dire que sur la bande du 27, des 11 mètres, j'arrive à capter certaines fréquences FM, certaines radios FM, voilà, qu'on a, qui viennent empiéter là-dessus. Bon, voilà, bah, c'est pas un matériel de très haute qualité, donc c'est normal, hein, voilà, faut pas s'attendre à grand-chose. Mais bon, ça permet de rigoler un petit peu, et puis de bidouiller un petit peu les antennes, du coup, essayer de couper du fil électrique à la bonne taille pour recevoir comme il faut une bande de fréquences donnée. Donc, voilà, je m'éclate bien. Je te retourne le micro, Rémi, si tu fais tourner, je te laisse un petit blanc aussi pour voir si d'autres deux stations qui sont derrière, qui veulent rentrer en QSO. Ok, bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Du côté de Michel, j'espère que tout va bien. Eric, tu as peut-être des news, toi, de ton côté. Justement, aujourd'hui, j'ai jeté un petit peu comme ça pour voir ce qu'il en est, justement, des web SDR. J'ai appris un truc, c'est vrai que pourtant c'est évident, mais pour pouvoir faire ça chez toi, t'as intérêt au niveau internet à être dégroupé, parce que il y a du débit là quand même qui passe, hein, apparemment. Hein. Et donc pour moi c'est même pas la peine, puisque je suis pas prêt d'être dégroupé moi ici, moi. Hachi. Retour de micro sur Eric. Yeah.
siège, c'est Florac. Hein, voilà. Je suis situé sur le haut Florac, donc un petit peu en hauteur. De mon côté, c'est pareil, j'ai un petit peu de mal à... La radio n'est pas très forte, par contre le signal, ça monte à 7-8 quand même. Juste un petit peu de mal à... voilà, je dirais une radio autour de 3, ça c'est pas facile à bien cerner. J'ai l'impression que il y a comme des grésillements au niveau de ton micro. Alors je sais pas si c'est l'éclairage environnant de mon côté qui font que c'est assez difficile à ce niveau-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de grésillement. Alors voilà, je sais pas si Eric, toi, de ton côté, tu constates la même chose, voilà, toi qui es placé un petit peu différemment. Voilà, je te laisse le micro, Eric. Ouais, mais moi j'ai pas le clair avancé. Ouais, mais c'est pareil, là, ce soit la fréquence. Pourtant, là, j'ai pas de. Au niveau signal, j'ai rien, la fréquence est propre, au niveau signal uniquement. Mais par contre, j'ai un bruit de fond, là, qui est assez présent. Bon, c'est pas grave. Eric, ouais, je te posais la question tout à l'heure. As-tu des nouvelles de Michel? Car samedi dernier, on ne l'a pas vu. Là, ce soir, il n'a pas l'air d'être présent. Il va bien? Ah, il y a une autre station en même temps qui est derrière. T'as modulé en même temps que Didier. Didier? Je savais pas qu'il y avait un Didier aussi dans le QSO. Bon, je me suis trompé de prénom d'opérateur. Je suis arrivé de la station de Saint-Médard. D'accord, ok, oui, Daniel, QRZ local, Centaure. Daniel, d'accord, autant pour moi, je... Ok, donc on va la refaire. Ce que je propose, Daniel, tu recommences s'il te plaît. Et puis ensuite, Rémi, bah, tu pourras demander si à nouveau si quelqu'un a eu des nouvelles de Michel. Me semble-t-il que c'était ça. Oui, ok, mais donc, ça pourrait aussi Rémi. Je vais te demander là, ah la vache, là j'ai du mal à te sortir par moment là.
J'ai pas tout compris là, ta question. Ludovic, est-ce que tu peux me faire le QSP, s'il te plaît? Alors Daniel te demandait si tu, quand tu t'adressais à Daniel, c'était pas un autre Daniel. J'ai pas compris exactement le, de quel autre Daniel il se... référence, mais il semblerait qu'il y a un autre habitué voilà, des QFO qui s'appelle également Daniel, et il se demandait voilà, si c'était bien à lui ou à une autre personne que tu l'adressais. Alors là, attends que je vérifie ça, je suis pas sûr qu'il y ait un autre Daniel, alors attends que je regarde vite fait là, parce que bon, je tiens une liste à jour, alors que je regarde là vite fait, non. Il n'y a qu'un seul Daniel dans le QSO. Il y a un autre Daniel, effectivement, mais bon, qui n'est pas sur ce département-là, qui est sur le département 12. Et bon, là, c'est différent, c'est une autre histoire. C'est... Non, non, là, sur le QSO du Sud-Ouest, il n'y a qu'un seul Daniel. Parlé là, Daniel, j'ai eu tout à l'heure là en fréquence, là en début de soirée. Loin comme ça, je sens une petite différence entre les deux micros. Celui-ci est un peu plus aigu de mon côté, mais pour un vrai report de radio, il faut être prêt. Il n'y a pas photo quoi. Ah tiens, je parle de photo. Eric, j'ai trouvé un logiciel de montage vidéo. Tu le connais peut-être, c'est Vidéopad. Attends que je raconte pas de conneries. J'en dis tellement en ce moment des conneries. Oui, Vidéopad. Voilà, c'est ça. Et il est semblable, enfin semblable de loin, à Windows Movie Maker. Mais avec un net plus quand même, bon ben j'ai plus qu'à apprendre à bien me servir de ça pour pouvoir faire des trucs, continuer à faire des trucs sympas. Voilà. Donc Daniel, ouais, là j'ai un petit peu plus de bruit là que là tout à l'heure, là en début de soirée. L'orage venait de passer de mon côté, donc là c'était propre. Hein. Ah là c'était limpide comme une pierre bien lisse, toi. Là. C'était, il n'y avait pas un QRM, il n'y avait rien. Donc là, ok, je t'entendais un petit peu mieux. Bon là, tu pourras avoir ça là également sur la vidéo. Hein. Là, à chaque fois que c'est sur toi, bon, je remonte le volume aux 2/3 pour arriver à te sortir un peu mieux. Mais autrement, entre les deux micros, ouais, celui-ci depuis le QRA me paraît un peu plus aigu. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure que je trouvais aussi un peu aigu ou c'était l'autre, je sais plus exactement. Mais bon, il faut être prêt là pour arriver à faire ça quoi. Là, il faut que je sois là sur ton secteur là, je suis beaucoup trop loin. Sainte-Colombe, Saint-Médard, il y a un bout de route hein, comme ça, surtout quand il n'y a pas de propague.
Là, c'est un petit bruit, là. Pas de propag qui les avantage, je veux dire. Et là, c'est vrai que là, c'est un petit peu short, hein. Oui, retour Daniel. Ok, oui, bah, c'est très sûr, c'est par rapport à tout à l'heure. Je m'entendais maintenant, c'est pas la télé des là, avec la micro là. Je m'entendais beaucoup plus clairement. Ça, c'est vraiment très clair, mais je sais pas. Voilà, que si ça va, plus ça monte de mon côté dans le niveau des QRM, c'est vrai que les nuages sont là au-dessus. Alors, peut-être que c'est ça aussi qui fait que. Ok, ben j'espère juste ce modèle personne. Ok, ben justement, j'attendais le feu vert, j'attendais qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive, quoique peut-être que les autres stations attendent qu'on passe justement sur les zéros pour y aller également. Ok, alors pour l'ensemble du groupe et les éventuels écouteurs, on passe sur le 27-270 en Lima, Sierra Bravo. C'est parti pour moi. Ok, voilà, rendu, 27-270, Lima, Sierra, bravo. Ludovic, quoi, il est un petit peu plus long à arriver. Eric, tu es rendu? Ok, pas de problème, je suis là, ouais. Ludo, je vais essayer de se calmer, peut-être. Voilà, je sais pas si t'as eu le temps, Ludovic. Ah, je t'entends plus fort, hein. Ouais, c'est bon, je suis là. Ouais, je t'entends mieux aussi. Daniel? Tu peux me revenir là, Ludo, parce que vraiment c'est très clair, c'est clair.